Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit haul action juste après le générique. C'est parti. Clairement, je sais pas où est-ce que je vais mettre ça. On a tout ce panier là et un bac à litière et un autre bac que je vais vous montrer en close-up en fin de vidéo. Donc, un petit café s'impose pour vous, une petite tasse, quelque chose, une couette, un canapé et on visionne. On va le laisser là comme ça. Il y a en tout pour 67 euros de marchandises à l'intérieur. Donc, j'ai commencé par le plus imposant, sans le gros bac. Je vais vraiment acheter un gros bac, mais on verra ça plus tard. Donc, j'avais besoin d'un bac à litière assez imposant et mieux que ce que j'avais. J'avais juste un simple bac, vous savez, sans protection, sans toit, sans protection alentour. Et c'est chiant parce que mon chat, bah, quand il fait partout. Voilà, c'est un peu pénible. Donc, j'ai attendu le maximum de temps pour l'acheter parce que je voulais vraiment le prendre à action. Donc, j'ai pris celui-ci et il est énormissime. Il y a à peu près une vingtaine de centimètres, voilà, en hauteur. Plus un bac comme ça, enfin, un truc, vous voyez tout autour pour pas avoir les éclaboussures, pour pas avoir les éclaboussures de gravier. Voilà, tout simplement, ça a déjà limité. J'aurais préféré un truc avec un toit, mais il n'y avait pas. Et là, vous avez un essuie-papate. Quand le chat sort de sa litière, il passe là-dessus et ça essuie ses petits coussinets. C'est trop mignon, avec des traces de coussinets, enfin des traces de pattes de chat, c'est trop mignon. Je vais essayer de me... Voilà, là, on le voit en entier. Il est assez gros, hein. Il m'a coûté 5,99€. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, jette-toi, vas-y, lance-toi. Donc, c'est fait. C'est Sinel qui va être contente puisque c'est son chat et que c'est celle qui change sa litière. Voilà, je voulais les mensurations au cas où vous aimeriez les savoir. C'est du 57 sur 39 sur 21 cm. Eh, c'est pas loin, hein. J'avais dit une vingtaine de centimètres. Donc, c'est la vingtaine de centimètres, je pense que c'est sans compter le rebord, hein. Un rebord amovible. Donc voilà, ça c'est fait pour le caca du chat, on est content. Ensuite, mon fils veut se muscler ses petits muscles de poulet. Donc voilà, il s'est dit, bon, je vais commencer par une haltère. Vous aviez plusieurs haltères de plusieurs poids, 1 kg, 2 kg et le dernier, je sais plus combien c'était de kilos. Mais comme nous étions en bus, à pied, j'ai dit calme-toi. Donc là, c'est le 2 kg, il me semble. Non, 3 kg quand même, hein, 3 kg. D'accord, bon, bah, alors il y a le 3 kg aussi. Et celui-là a coûté combien? Je pensais moins cher que ça quand même. Elle a coûté 6,99€. Voilà, donc j'espère qu'avec ça, il va quand même se muscler ses petits muscles de poulet. J'ai la chaise qui grince, c'est magnifique. Alors, ouais, mais même moi, hein, peut-être. Parce que moi, j'ai besoin de muscler ici, derrière, donc je vais peut-être lui piquer. Je vais voir les exercices, je crois que c'est ça, les exercices. Je suis pas sûre. Oh, fatiguée. Oh. Trop lourd. Non, moi je vais m'en prendre des 1 kg, ça ira bien. Maintenant, je pioche vraiment au hasard dans le bac, dans le sac. Ah, alors, j'ai pris un moule à gâteau, comme ça, en silicone. Donc, j'ai des moules, moi, en pas silicone, hein, mais j'aime bien avoir des moules en silicone pour faire justement des petits fonds de tarte, que ce soit salé et sucré. Ils sont trop jolis, il y avait plusieurs couleurs, turquoise comme ça, gris et rouge, mais moi j'ai bien aimé ceux-là. Et alors attendez, je vais vous dire le prix. Alors le moule à pâtisserie, c'est 1,99€, donc j'ai pris ceux-là. 1,99€ le moule. Donc j'ai pris celui-là et j'en ai pris un deuxième, celui-là. Voilà, là c'est plutôt pour des petites brioches, hein, des mini brioches. Donc je trouvais ça pas mal, voilà. Ils sont, bon, c'est un peu fin, on voit que c'est limite, hein, pour la qualité. Donc faudra vraiment y faire très attention. Mais voilà, en tout cas, ça va bien me dépanner. Et c'est vraiment des moules que je voulais avoir et que j'avais vu dans les vidéos. J'ai dit, il me les faut. Je me dis, pourquoi se priver, quoi? Il faut que je nourrisse mes cheveux, ils sont tous secs, regardez. Ça, c'est les colorations et décolorations. Bref! On continue. L'image ou la vidéo a peut-être un petit peu changé, mais j'ai dû faire une pause parce que plus de batterie. Donc voilà, me revoilà une heure plus tard. Donc je vous disais, deux moules à gâteau. Il y en a combien? 9 à l'intérieur. Et celui-là, c'est pareil, 9 à l'intérieur. Donc il y a largement de quoi faire. Et puis, je vous dis, pour 1,99€, j'allais certainement pas me priver. Allez, ensuite, on continue. Je chope vraiment des trucs. Alors, faut savoir que l'étiquetage était très mal fait. Donc voilà, j'étais un peu... faussement renseigné, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris un set comme ça de tasses transparentes avec la petite anse, comme ça, je le trouvais trop bien, transparent. Moi, j'aime bien. Voilà, il y a pas. Après, il y avait des mugs, tout ça, mais vous voyez, je trouve que là, ça peut servir de verre d'eau et ainsi que de tasse à café. Donc, bon, je me dis pourquoi pas, ça change.
Le set en entier, il fait 3,59. Donc, ils appellent ça un set à thé. Mais moi, voilà, je mets de l'eau, du café, du thé, de la tisane. C'est vrai que c'est pas con, la tisane, c'est pas con. Ouais, voilà. Donc, ça me va très, très bien. Je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu quand même ce que ça donne. Les verres, ils font pas long feu chez moi. Hein, ils cassent. Hein, donc, je me suis dit, autant prendre cela, ne pas prendre des verres. Comme ça fera verre et tasse à café. Franchement, je les trouve bien. Voilà. Mieux qu'un petit mug. J'en ai plein des mugs. Donc, du coup, on se sert de ça pour boire. À l'arrache. Donc voilà. Ensuite, on continue, on continue, on continue. Ah oui, alors j'ai pris. Alors, j'en ai pris deux. C'est des masques pour les cheveux, tout simplement, avec des petites charlottes à la rose. Allez, voilà. Alors, vous avez en deux parties. Je n'ai pas encore vu. Alors, là, il y a la charlotte et là, il y a le produit. Du coup, je me dis qu'il faut mettre le produit sur les cheveux et puis après protéger avec la charlotte. En tout cas, je pense que ça va sentir bon. Et la charlotte est trop mignonne avec les petites roses dessus. Relaxing mask, single use air, deux étapes. Ou alors, je ne sais pas, hein, parce que là, apparemment, moisturizing softy ingredient with rose and argan. Ouais, non, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous mettez le masque pour les cheveux et ensuite la charlotte pour vous protéger. Et alors, ce masque-là, il m'a coûté combien? Masque capillaire, 1,39 € pièce, pardon. Du coup, j'en ai pris deux. Un, la noix de coco également. J'adore, moi, la noix de coco. Je suis une vraie fan. Toujours pareil, en deux pièces. Alors, est-ce qu'on nous dit. Donc, celui-là, il est nourrissant et softening. Il est doux pour les cheveux, celui-là, relaxant. Voilà, donc un relaxant, un nourrissant. Très bien, à la noix de coco et à la rose. Et alors, regardez pour la noix de coco, la gueule de la charlotte. Moi, je trouve ça mais trop mignon. Trop, trop mignon pour un moment cocooning. Mais c'est juste le top du top de chez du top. Donc, 1,39 €. Il n'y en avait pas plus, sinon j'en aurais pris plus. Au niveau des masques pour le visage, j'ai pas pris parce que j'ai pris vraiment la dose la dernière fois. C'était vraiment pas la peine. Et en plus, je vous dis, dans ce action-là, c'est le deuxième que je fais. Il y avait pratiquement rien, quoi. J'étais un peu dégoûtée. Mais bon. Ensuite, j'ai pris cette comment le mais cette machine, ma lessive, je vais y arriver, Ariel. Alors vous avez ici, je sais pas, une sorte de ouais voilà, un truc pour mettre voilà, et, une dosette. Aujourd'hui, je perds mes mots, c'est comme ça. Et en dessous, vous avez pour l'ouvrir. Alors, est-ce qu'il y a un parfum? C'est un gel, hein, et c'est pour les couleurs lumineuses, propreté éclatante, même en lavage à froid. Ok, donc ça c'est pour la couleur. Ouais, ça sent le propre, ça sent le Ariel, quoi, tout simplement. Et il y a combien de litres là-dedans? C'est pour 16 lavages et 592 ml. Je trouvais trop mignon le packaging. La fille achète de la lessive pour le packaging. Mais ça c'est nous, hein, les gonzesses. À chaque fois qu'on voit une bouteille trop belle, on la prend, c'est pour le packaging. Après ça peut puer, c'est comme ça, on aura le truc parce qu'il est beau, c'est pour le packaging. La lessive m'a coûté exactement 3,97 €. Donc je me suis dit 3,97 € pour 16 lavages de Ariel. Je vais pas m'en priver non plus. Donc j'ai pris. J'ai pas hésité une seule seconde. Voilà. J'ai cherché un produit que je n'ai pas trouvé, mais ça même pas ça m'étonnait. Mais en même temps, ils étaient en train de mettre des choses. Donc c'était peut-être dans les arrivages. Hein. Ils avaient leur Rolls avec tous les cartons et tout. Donc j'ai dit, bon, je vais pas les déranger. Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Non, je les laisse faire, puis je les retournerai si besoin. Mais je cherchais une bombe que j'ai vue sur une vidéo qui aide à sécher le vernis à ongles. Donc je voulais vraiment tester ça. Bon, à mon avis, c'est gadget, hein, mais voilà, je voulais vraiment tester pour voir ce que ça donne, quoi. Plus tard, la prochaine fois. Ensuite, j'ai pris deux petites bouteilles comme ça en nourriture. C'est des smoothies. Alors, Blue Smoothie, c'est à la fraise, à la pomme, à la mûre et au cassis. Je les ai prises parce que, justement, j'ai déjà pris deux modèles, pas dans le même parfum, je ne sais plus quel parfum, comme ça. Et ça me tentait vraiment parce qu'au niveau calorique, au niveau des ingrédients, pomme, ah oui, pomme, banane, berry, strawberry, framboise, black, enfin voilà. Plein de bonnes choses. Mais au niveau des ingrédients, c'est plutôt pas mal. Au niveau du sucre, tout ça, c'est bien. Et donc, ça rentre dans le cadre de mon rééquilibrage alimentaire. Donc, si c'est bon, je réitérerai l'achat. Et je saurai ça cet après-midi. Parce que cet après-midi, après cette vidéo, je vais tourner une vidéo dégustation avec ma fille Sindel. Et il y a une bouteille. Donc, je me suis dit, je suis là, autant goûter le deuxième parfum. Voilà. Donc, deux. Et alors, elles m'ont coûté ces petites bouteilles. Elles sont bien pratiques. Hein, vous les emportez dans le sac et tout. Pas la peine de les mettre au frais. C'est 12 grammes de... 120 grammes, pardon, de, j'allais dire, de produits, de trucs là, de smoothie. Le smoothie, il a coûté 0,79 €. Donc, je me dis, si ça, c'est goûtu,
À 0,79 centimes, ouais, j'en reprendrai d'autres bouteilles. Alors malheureusement, il n'y avait que deux parfums, ceux-là et ceux que j'ai déjà pour cet après-midi. Donc j'ai dit, c'est pas la peine d'en racheter. Hein, on verra déjà ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris un petit peu des fringues. Alors attendez, dans l'ordre, ouais, c'est ça. J'ai pris deux noirs comme ça en S, deux débardeurs basiques parce qu'il m'en fallait. Absolument. Voilà, tout simplement. Et alors ceux-là, ils étaient pas chers. Ils étaient dans les 1 euro et des poussières. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. 1,99€ le débardeur. Je trouvais que ça suffisait largement. Donc, vous aviez plusieurs modèles. Mais moi, j'ai pris avec les bretelles très fines parce que ceux que j'ai, bah, c'est ceux d'avant. Et ils me vont beaucoup trop grands. Et j'ai des hauts un peu transparents. J'aimerais avoir quand même un petit truc en dessous. Est-ce que voilà, je ne suis plus de toute première jeunesse, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est quand même plus saillant de mettre quelque chose sans qu'on voit les bourrelets. Ou tout ce qui est pas forcément disgracieux, mais voilà, tout ton corps, quoi. Donc, je m'en suis pris deux, c'est déjà ça. Je vais essayer, je vais voir ce qu'ils donnent au lavage. Normalement, les vêtements Action, ça va, ça passe bien au lavage, ça supporte bien. Et j'en suis pris une en version M, parce qu'il n'y avait que cette taille-là. Au niveau des tailles, il n'y avait rien de chez rien, c'est pénible. Et voilà, en petite bretelle. Sinon, il y avait du S, mais en grande bretelle, tout ça. Mais moi, je voulais vraiment des petites comme ça, parce que pareil, j'ai des hauts blancs transparents. Sur le dessus, genre une petite bretelle ça va, mais une grosse bretelle c'est vraiment pas joli. Donc voilà, j'ai pris deux noirs et un blanc, et puis quand je reviendrai, s'il y en a d'autres, j'en prendrai d'autres. Voilà, tout simplement. Donc 1,99€ le débardeur. Ensuite, pour mon four qui est un petit peu particulier, j'ai pris ce plat en verre. Alors des fois j'en prends en métal, mais comme c'est un four combiné micro-ondes et four normal à chaleur tournante, je me méfie. J'ai dit non, là je prendrai du verre. Si je peux prendre du verre, je prends du verre. Je me méfie parce que je me dis, si un jour je me trompe que je mets en micro-ondes au lieu de four et que je me pète le four, ça va pas le faire, quoi. Donc là c'est un carré parce qu'il est pas si grand, mon four. Je fais plein de choses dedans, mais il est pas si grand. Donc c'est un carré, ça me va très bien. Et comme il est sur la plaque, il va pouvoir tourner sans se cogner sur les côtés, donc c'est très très bien pour faire mes gratins, même des gâteaux carrés, tout ça c'est bien. Il va au congélateur à moins 40 degrés, ultra material, matériau sain, et il va au four à plus de 300 degrés, très bien. Voilà, made in France, bon, pour la chaleur et pour le froid. Voilà, cook and share. Voilà, c'est très bien. Donc ça, il fallait vraiment que j'en prenne un. Et je trouve que dans le commerce, tout est cher. Enfin, tout est cher. Et là, chez Action, bah, c'est vrai qu'on fait de sacrées économies parce que je ne l'ai pas payé très très cher. Je l'ai payé 3,49€. Franchement, 3,49€, où tu vas trouver un plat comme ça à Inter ou à Leclerc ou autre, quoi. Non, tu ne trouveras pas. Non, faut arrêter de se mentir. Ah, mais j'ai encore de la bouffe. Oui, j'ai pris une plaquette de chocolat comme ça. C'est pour la rajouter à la vidéo d'aujourd'hui de la dégustation de la bouffe Action que nous, on ne connaît pas. C'est un... qu'on appelle ça? C'est un chocolat mélangé au... Alors, il est crunchy et il est mélangé à la cerise. Enfin, il y a de la cerise à l'intérieur. C'est une édition limitée. Chocolat noir. Donc, ça, c'est bien pour leur équilibrage alimentaire. Ça rentre dans le cadre. Et Oreo. Enfin, sorte d'Oreo. Hein, voilà. Cerise Oreo, c'est un 180 grammes. Bon, c'est bien, c'est une édition limitée. Si jamais vous voulez goûter, il est à combien ce truc-là? Il est à 1,59€. Voilà, si jamais hein, vous voulez, 1,59€. Ensuite, j'ai pris également en matière de bouffe. Ça, c'est pareil, c'est pour rajouter à la dégustation de cet après-midi et en même temps pour tester, parce que j'ai pris ceux à la mangue qui seront dans la vidéo, et là c'est à l'ananas. En fait, c'est des pétales, on va dire, hein, d'ananas séché. Il y a 75 grammes. Combien de calories ça par 25 grammes? Il y a 83 calories. Donc au niveau des calories, on dépasse pas la dose journalière nécessaire. Donc du coup, voilà, ça c'est assez pratique si vous avez des petites fringales. C'est assez pratique, vous pouvez pas emporter ça dans le sac, c'est un peu gros, mais dans une petite boîte à emporter, voilà. Mais on va goûter. Après, au niveau sucre, je crois qu'il y en a un petit peu, mais je vous dirai ça dans la vidéo. Dégustation. Et ça, je l'ai payé combien, ce truc à l'ananas? 1,79€ celui-là, et c'est de la marque quoi? Dried Pineapple. Alors c'est des produits, c'est chez Chunk. C'est des petites bouchées, hein, de la marque Jama. Voilà.
On goûtera et on vous dira. Je me suis pris aussi un petit bijou. J'avais envie, en ce moment, j'ai très envie de bijoux comme ça, dorés. Bon, il fait un peu cheap. Hein. On va pas se mentir, il fait un peu cheap à côté de mes autres bijoux. Mais voilà, j'ai envie de gourmet, de petits bracelets comme ça. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais bientôt vous faire une vidéo collaboration avec une marque que j'adore et que j'espérais avoir. Donc ça, c'est plutôt cool, mais je vous en dis pas plus. Donc, c'est une petite gourmette comme ça, avec plusieurs petits maillons. Voilà, avec le printemps qui arrive, on va commencer à se découvrir un peu plus, donc c'est plutôt cool. Et voilà, on va montrer un petit peu ses petites mimines et ses bras. Donc bon, la gourmette m'a coûté, ouais, ils appellent ça une gourmette. Combien m'a coûté cette gourmette, hein? 1,59€. Voilà, bon, je dis, allez, je craque. 1,59€, ça va pas me ruiner. J'essaierai, après ça durera le temps que ça durera, hein, voilà tout simplement. Mais après au niveau de chez Action, je trouve qu'il y a pas mal de petits bijoux comme ça, fantasy, qu'on peut se prendre, même si ça dure qu'une année, c'est pas grave. Voilà, c'est pas cher, donc bon, on peut se permettre. Et pour finir, enfin là c'est pour finir ici, mais après je vous mettrai en close-up. Pour finir, j'ai pris 2 produits. Je vous raconterai les péripéties de celle-là. Donc on va commencer par le blush, c'est un blush powder de Dusty Rose, et c'est un blush que je n'avais pas. Moi j'ai un blush très ancien et qui a morflé. Voilà, donc j'aime bien ces blushs là un peu vieux rose, ou même des fois orangé quand il commence à faire beau, tout ça. Et je me suis dit il n'y a pas très longtemps qu'il fallait que je me rachète des blushs, parce que j'ai souvent les mêmes teintes et voilà, j'avais envie de changer un petit peu, de varier tout ça. Donc celui là petit blush avec le petit packaging habituel. Bon, ça va, c'est pas trop cheap, hein, par rapport à d'autres que j'ai vu avec le M de chez Max & More gravé. Je vais voir. Oh, il est tout doux. J'adore. C'est... Ah, par contre, c'est presque insignifiant. Hein. Bon, on va voir. C'est pas ce que je pensais au niveau du rendu. Mais on verra bien. Là, je sais même pas si vous allez le voir. Hop. Là. Bon, concrètement, vous voyez rien. Hein. Pas grand-chose. C'est un mat. D'accord, mais ça peut convenir, ouais, justement pour faire par-dessus le fond de teint, pour faire un petit teint légèrement rosé quand j'ai pas envie de mettre trop. Moi, c'est ce qui m'arrive, des fois, j'ai pas envie de mettre trop. Donc voilà, il est directement dans l'emplacement des blushs. Voilà. Et pour la Wildflower de chez qui? Tiens, ouais, c'est qui? C'est Fab Factory, ça, qui fait ça, non? Tiens, je n'ai pas... Non, Max & More. Ah, j'étais persuadée que c'était Fab Factory. Donc voilà, la dernière palette qui vient de sortir chez Action et que je voyais sur toutes les vidéos haul. Et je me suis dit, mais celle-là, il me la faut. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle annonce le printemps, un joli ciel avec les flowers. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? 21 phares de 1 gramme. Je ne l'ai pas encore ouverte. Hein. J'ai juste vu, aperçu comme ça. J'ai dit non, je ne veux pas me spoiler. Et je vais la voir. Alors attendez, il était à combien? Le blush était à 0 et quelques centimes. Ouais, 0,99 centimes. Voilà. Et cette palette-là, bon, je pense que vous connaissez, 4,59€. 21 pannes quand même, 21 fards. Un petit miroir qui va bien, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Alors quand vous achetez une palette comme ça, faites bien attention d'avoir le film. Hein. Toujours pareil, des fois on va vite et puis on fait pas attention. Et bah, regardez-moi ça. Regardez ça. Moi, ce qui m'avait attiré derrière, c'est les verts, les couleurs vertes. J'ai déjà une palette de vert, que du vert, en révolution. Mais j'avais vraiment envie d'avoir celle-là parce que c'est encore d'autres qui vont venir compléter ma palette. Et je trouvais ça trop, trop beau. Oh, oh là là, il y a des vents. Oh, les bleus, les lavandes. Regardez-moi ça, ceux-là, là. Ces bleus-là, c'est lavande et bleu irisé. Bon, ça, c'est une couleur qu'on a souvent ici, là. Le vert comme ça, trop joli. Les verts foncés. Pff, ouais, trop, trop bien. Trop joli. Il y a beaucoup d'irisés. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 irisés. Et 20, et 11 pas irisés, mat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, voilà, ouais, c'est ça, je ne me trompe pas, 11 mat. Allez, on va faire un petit swatch, j'ai envie de swatcher justement les deux là. Oh là là, au toucher, ils sont hyper doux, donc là j'ai fait un irisé vert, waouh, terrible. Je vais faire aussi l'irisé bleu qui est juste ici. Oh, j'adore les toucher, c'est très doux, c'est une matière qui a l'air de bien se travailler, on va voir. Alors,
Qu'est-ce que ça donne? Ah, l'irisé bleu est un peu plus discret, mais en même temps, c'est du bleu pâle, quoi. Donc, on ne peut pas lui reprocher. Et pour finir, je vais tester l'irisée verte, mais la plus claire. Waouh, pareil, hein, c'est une plus claire, donc normal que ça se voit moins, mais vous avez vu celle-là? Truc de dingue. En tout cas, ça reflète bien la lumière. Ouais, j'ai très hâte de la tester. Celle-ci, demain matin, elle est sur mes yeux. Et allez, je vais tester aussi le mat lavande, là, comme ça. Ouais, c'est ce qui me semblait. Celui-là, il est vraiment très, très clair. C'est encore une couleur qui ne va pas beaucoup se voir, celle-ci. Faudra peut-être l'appliquer au pinceau mouillé. Voilà. Bon, il n'y a pas d'odeur, je sais pas pourquoi je sens. Il n'y a pas d'odeur, mais en tout cas, je suis très contente parce que pour cette palette, j'ai galéré. En fait, j'étais allée exprès pour cette palette chez Action. Et j'arrive, déjà, je vois les rayons que c'est un peu vide. Ça promet du lourd là, si c'est vide. Et j'arrive en rayon des palettes. Il y avait une flaming toute irisée là, comme les Underwater Wave. Et je dis, celle-là, je n'en veux pas, je suis pas intéressée. Je voulais vraiment la flower. Ça, j'étais dégoûtée, je cherchais partout, et tout, et tout. Frénétiquement, il n'y avait pas. Et je dis à mon fils, bon, ben, c'est pas grave, allez, on s'en va, il n'y a pas, on va chercher autre chose, voilà, de ce produit. Puis je baisse la tête. Et elle était toute seule, comme ça, tout en bas de la gondole, tout en bas, comme ça, au milieu des détritus de Action. Et elle dit, prends-moi, prends-moi, ma fille, tu es là. Donc, du coup, je suis allée la prendre. C'était la dernière. Voilà, et elle me tendait les bras. Et moi, je suis. Ouais, très drama queen, hein, comme ça, voilà. Donc bon, ben, je l'ai ramassé, quoi. C'est pas avec moi. Maintenant, c'est le moment du closet. Franchement, je savais pas où mettre ce coffre, tellement il est énorme. C'est un coffre de rangement qui va servir pour les affaires de Sindel, pour mettre toutes ses peluches, tout ça. Il est sur roulette, c'était le plus grand, et celui-là, c'est le produit le plus cher de mon paquet, là, de mon panier, il faisait 17,95 €. Au niveau des mensurations, il est très très grand, hein. Il fait 76 sur 57 de hauteur et sur 42 cm de largeur. Donc il fait en fait 76 cm de longueur. Il a un couvercle, il a deux petites poignées, voilà. Le couvercle est plat et ondulé, ce qui fait que vous pouvez cumuler les boîtes les unes sur les autres. Mais enfin, ce sont des grosses boîtes, donc je ne sais pas si vraiment ça va servir. Les roues, il y en a 6 et franchement, ça roule assez bien. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Ça fait 2 fois que je vais dans un magasin Action en une semaine. Ça fait beaucoup. Enfin, en une semaine, non, en 10 jours. Pour moi, ça fait beaucoup. Donc, je ne sais pas si j'y retournerai en tout cas, parce que en général, j'espace. Voilà. J'espère que ce haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à m'encourager en likant cette vidéo et en activant la petite cloche. Oui, je sais, j'ai rien dit dans l'ordre, mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.